la parole sera prêchée. La parole sera prêchée. Où les gens sont dans le besoin. Ce n'est pas des gens nantis qui habitent à Bobo. Vous comprenez? Il y a beaucoup plus de gens, de personnes dont le revenu moyen est en dessous du SMIC. Voilà. C'est ça.
Il y a beaucoup de cas sociaux à Abobo. L'hôpital est un hôpital à la base, au départ, pour faire l'historique, était don de la Lonassi, qui est une société de vente de, comment ça s'appelle ça, de loterie, de billets de loterie. Et en 1972, ils ont construit un dispensaire. Ils ont fait don de ce dispensaire-là à l'État de Côte d'Ivoire. Et ça a commencé par un dispensaire. Et petit à petit, il y a d'autres bâtiments qui se sont rajoutés. Ce qui fait qu'il n'y a pas une coordination dans des bâtiments, vous voyez que les bâtiments ne sont pas réduits. Donc le ministère de la Santé a décidé aujourd'hui, avec l'assurance maladie universelle qui est mise sur pied, de raser cet hôpital pour en faire un hôpital bon niveau, digne de ce nom, avec un plateau technique digne de ce nom. Donc là, vous avez, on a d'énormes difficultés en ce qui concerne le fonctionnement de l'hôpital. Et vous avez dû le voir, le taux de fréquentation est élevé parce qu'on est dans une commune où vraiment les gens sont démunis et la situation est difficile. Au quotidien, nous recevons des cas sociaux en permanence et les soins de santé par rapport à certaines pathologies, le paludisme par exemple est gratuit. Les enfants de 0 à 5 ans, le traitement, les examens, tout ça devrait être gratuit. Mais la réalité est que par rapport au nombre, c'est difficile pour l'État de Côte d'Ivoire et surtout pour nous qui sommes sur le terrain de pouvoir faire face à toutes ces choses-là. Bon, il y a une lueur d'espoir, il y a l'assurance maladie universelle qui est en cours et nous, c'est une nouvelle expérience. Nous allons commencer depuis le mois de 1er octobre là. Et bon, c'est une nouvelle expérience où le malade est assuré, ils vont devoir payer 1000 francs et ils auront droit aux médicaments et tout. Bon, peut-être que ça pourra régler une partie du problème, mais les besoins sont énormes. Les besoins sont énormes. Concernant les médicaments, c'est la disponibilité des médicaments. Comme je vous l'ai dit, nous avons ici la nouvelle PSP, qui est la structure chargée de fournir les médicaments aux structures sanitaires à des coûts, c'est-à-dire les médicaments génériques, à des coûts bas, mais souvent on est confronté à la rupture du stock de certains médicaments. Et ça c'est difficile. S'il n'y en a pas, il n'y en a pas. Et donc on est obligé de prescrire aux patients qui viennent, ils sont obligés d'aller s'en procurer dans les officines privées et les coûts sont élevés. Et souvent, ce qui arrive, c'est que quand vous prescrivez les médicaments aux gens, étant donné qu'ils n'ont pas les moyens, des fois, ils partent et ils ne payent pas les médicaments. Et ils vont prendre les médicaments de la rue ou les médicaments des traducteurs praticiens. Je ne dirais pas que ce n'est pas efficace, mais souvent, on est confronté à ces choses-là où ils viennent nous voir pour nous demander un soutien, c'est des cas sociaux. On a un service social, on fait ce qu'on peut. La grande difficulté, c'est la rupture des stocks. On reçoit des aides, on a de fond quelques ONG qui viennent nous appuyer. On a des bailleurs de fonds comme ECPAF qui s'occupe de tous ceux qui sont des sujets VIH. On a des bailleurs de fonds qui nous appuient. On a eu une association chrétienne américaine dont j'ai oublié le nom, qui est arrivée, qui a fait don de matériel important. Ça arrive et ça, dans plusieurs hôpitaux du ministère. J'ai le nom de cette association-là. On reçoit beaucoup. Les associations, les trucs caritatifs là, qui viennent nous voir.
les Ivoiriens qui viennent, comme je vous l'ai dit, ce sont les ONG. On peut avoir quelquefois des religieux, comme ça, c'est votre cas, hein, des associations religieuses qui viennent nous appuyer pour faire des dons aux accouchés, aux malades, aux femmes enceintes. On en reçoit, on en reçoit. Les églises en tant que telles, non. Les églises en tant que telles, non. C'est pour ça qu'on apprécie votre démarche, ce que vous faites. Ça ne peut que nous réjouir et je pense que ce sont des actions à encourager pour le futur. Premièrement, ce que je peux dire à cette chrétienté-là, parce qu'il faut reconnaître que les chrétiens sur le terrain mènent beaucoup d'actions. Moi, je suis moi-même chrétienne, je suis catholique, moi, de confession religieuse, d'une famille musulmane. Donc, je sais de quoi je parle. Sur le terrain, on voit beaucoup d'actions qui sont menées. Ici, par exemple, moi, je vois des gens qui viennent. Même pas forcément pour faire des dons, parce que peut-être ils n'ont pas les moyens, mais pour assister les malades, pour prier pour eux, c'est important. C'est important parce que c'est pas tout de se rendre à l'église et dire que oui, j'ai la foi, je viens, je fais ma prière du dimanche, je m'en vais. Mais sur le terrain, il faut joindre les actes qui vont avec, assister l'autre. Voilà. Et ça, vraiment. Au niveau des chrétiens, c'est quelque chose qu'on ressent dans la vie de tous les jours. Et nous qui sommes dans les hôpitaux, on le ressent. Voilà. Dans le campement, elle est décédée. Dans le campement, elle, c'est son petit frère qui est là. Bon, il est orphelin de père et la maman aussi, elle a fait une crise d'AVC, mais ça lui a laissé des séquelles. Elle est paralysée. Voilà, donc, d'un côté, elle n'arrive pas à trop faire des choses. Donc, on a récupéré le plus petit. Voilà. Les autres enfants sont parrainés. On s'occupe d'eux, mais c'est le plus petit qui vit avec nous ici. Donc, voilà un peu l'histoire de tous ces enfants. Elles sont quittées dans l'ouest de Haïtia pour venir, orpheline de père. Voilà, la mère les a laissés, ils sont vite dans la mère de leur tante, ici à Bassam, mais qui elle-même, il n'y a rien, qui ne fait rien. Donc elle tourne derrière les ONG, c'est comme ça qu'elle est venue nous voir, qu'on a récupéré les deux filles. Donc, bah, chacun a son histoire, elle est l'orpheline de père, et la mère n'est pas très en forme, côté santé. Et tous vont à l'école. Il n'y a pas un qui va pas à l'école. Lui, quand il venait, il avait 3 ans et demi. Il avait 3 ans et demi. Aujourd'hui, il est au CP1. Toi, tu es en quelle classe? Donc, tu es en quelle classe? Faut que tu dises, faut que tu n'as pas à attendre. Tu es en quelle classe? CP1. Il est au CP1. Il est au CP1. Rebecca, tu es en quelle classe? Et toi? CP2. Et toi? CE2. CE1. Et toi? 6e. CP2. Et tout se va à l'école. Et c'est gratuit. Comment vous dégagez à l'indice? Je ne t'ai pas demandé. Pas de classe. Non, mais justement parce que. Voilà. Elle dit, je l'ai oublié. C'est pas payé, mais c'est pas gratuit. Non, c'est pas gratuit. L'école ouvre, c'est 3 là. L'école ouvre, c'est 3 là. 6e, ça fait. Normalement, c'est parce qu'ils sont affectés de l'État. Sinon, l'école fait 120 000. L'année pour une personne. Mais comme ils ont été affectés d'État, donc nous payons 60 000 par enfant. Voilà pour les trois. Mais les fournitures en Côte d'Ivoire, 2 jours. Ah, c'est pour ici. Ça, c'est pour ici. Ah, ok. Ça, c'est pour ici. Ça, c'est les jouets. Non, c'est pour ici. Ça, c'est pour ici. Oh, you.
L'association, on appelle l'association, le nom qu'on a donné à l'association, c'est ONG Cœur Réformé. Donc, on s'est dit que si le cœur n'est pas réformé, voilà, si le cœur n'est pas réformé, le cœur ne peut pas vraiment agir. Et quelqu'un qui a un cœur qui est réformé, et réformé par quoi d'ailleurs? Réformé par la parole du Seigneur. Si cette personne reçoit la parole du Seigneur, elle reçoit un cœur qui est réformé déjà. Je peux avoir un cœur méchant, je peux avoir un cœur peut-être qui ne partage pas. Mais lorsque la parole du Seigneur touche ce cœur, carrément le cœur est réformé. Et si j'ai un cœur qui est réformé, je peux apporter de l'aide aux enfants, aux plus démunis, aux femmes, aux veuves. Et voilà comment nous avons pensé pour donner ce nom. Voilà. On doit un cœur réformé. Nous travaillons beaucoup pour les enfants. C'est vrai que par moments, on a envie d'aller aussi vers les mamans, les veuves et autres. Mais comme je l'ai expliqué tantôt, nous n'avons pas assez de moyens. Voilà. Le Seigneur a décidé de nous mettre dans un village, une œuvre. Et dans un village, ce n'est pas possible. Voilà. C'est nous-mêmes qui cherchons parfois pour pouvoir aider les gens de ce village-là. Pendant que nous-mêmes, nous n'en avons pas. Donc ça, c'est difficile. Mais avec la grâce du Seigneur, on arrive quand même à faire l'œuvre du Seigneur et à nous occuper aussi des enfants. Par rapport à l'ONG. On n'a pas les moyens. D'accord. Nous n'avons pas assez de moyens, comme je l'ai dit. Voilà, prendre quelqu'un en ville avec son épouse et puis le déposer au village, le Seigneur le seul a la réponse. Parce que parfois je lui demande, mais tu veux qu'on travaille pour toi? Tu nous déposes dans un village, c'est pas facile. Mais le Seigneur ne fait rien en vain, c'est pourquoi. Il a sorti certainement ses enfants là-bas. Et c'est ce qu'il nous a dit. Il nous a dit, allez à Vitré 2, j'ai mes enfants là-bas. Et lui sait comment nous allons prendre soin de ses enfants. Donc, sinon, financièrement parlant, nous sommes dans un village de pêcheurs. Et la pêche actuellement, ça ne donne pas. Donc parfois, nous sommes obligés nous-mêmes de chercher du riz pour partager aux familles. En tant que ONG qui elle-même se cherche, mais nous sommes obligés de partager la nourriture dans le village. Voilà. Aux frères qui viennent prier, à certaines familles. Quand il y a quelque chose, ils ont les regards sur nous. Là, ils se disent, mais si Dieu vous a envoyé ici, c'est pourquoi? Donc, voilà un peu. Non, par rapport à notre association, on n'a pas encore reçu de l'aide comme ça des chrétiens de Côte d'Ivoire. Franchement, il faut dire les choses. Voilà. On n'a pas encore reçu de l'aide comme ça pour dire non. Mais par contre, on a des frères qui nous aident de temps en temps. Tout à l'heure, j'ai reçu un coup de fil. Ça, c'est d'une tata lorsque j'étais en train de pleurer. Lorsque la dame a tout abandonné dans ma main, c'est la tata là qui est venue à mon secours. Voilà. Et lorsque j'ai piqué les 4 crises AVC, comme je l'ai dit, jusqu'aujourd'hui, cette tata elle est restée comme ma mère. Voilà. Elle m'appelle souvent, ma fille, tout à l'heure m'appelait les enfants, c'est comment. On a un frère aussi de Cocody, le frère Folie. Bon, je ne sais pas, il est togolais, nous sommes ivoiriens. Mais Dieu sait ce qu'il fait, quoi. Franchement, il fait plus que nos propres. Grâce à lui aujourd'hui, on arrive à nourrir les enfants. Voilà. Grâce à lui, il nous soutient beaucoup. On a cette affaire-là, puisque avec l'histoire de la dame, comme j'avais expliqué, cette histoire l'avait pris, on a eu des réunions même pour parler de ça, donc beaucoup savent qu'on est là. Mais vous savez, pour ça, il faut que le Seigneur touche. Mais s'ils n'ont pas, peut-être, ils n'ont pas été touchés par le Seigneur, ils ne peuvent pas agir. Voilà, il faut que le Seigneur peut-être leur mette ça à cœur pour qu'ils puissent venir. Sinon, Coco dit, le Vallon sait que l'orphelinat existe. Mais je n'ai pas encore reçu la visite pour dire que non, c'est le Vallon, c'est l'église du Vallon qui vient vous soutenir. Là, pas du tout. Yeah.
tient à remercier le Pain Quotidien pour tous les gestes voilà, à l'endroit de ces enfants-là qui sont vraiment, vraiment démunis. Il y a des enfants qui dorment même à même le sol. Mais grâce au Pain Quotidien aujourd'hui, les enfants dorment même sous des moustiquaires imprégnés et des matelas. Mais nous avons constaté aussi qu'il y a des parents même là qui dorment même à même le sol, qui sont obligés de prendre les matelas des enfants même pour dormir là-dessus. Et ça fait qu'avec l'appui du Pain Quotidien, avant, par le passé, on était régulièrement au dispensaire et les frais étaient vraiment élevés. Mais maintenant, là, ça a baissé compte tenu des moustiquaires imprégnés qu'on a distribués aux enfants. Et il y a un facteur encore qui est un peu délicat, c'est que les enfants là peuvent marcher près de 2 à 3 km pour aller à l'école. Voilà, 2 à 3 km pour les enfants de 5 ans, 4 ans. Et nous savons que les voies ici sont tellement dangereuses. Parce que maintenant, il y a des sacrifices humains. Hier, comme ça, j'ai expliqué même à ma soeur, je lui ai dit, mais il y a une fille de 17 ans qui s'est fait, ils l'ont violée et ils l'ont égorgée. À la rentrée, à Vitré 1. Donc, vous voyez comment les enfants sont exposés, tout ça là. Donc, nous vous disons encore merci pour ce geste-là. Voilà. Sinon, on a plein de projets. Il y a plein de projets. Comme ça, on suggérait même avoir un tricycle, les motos à 3 roues, pour aller déposer les enfants. On dépose les enfants le matin et cet engin-là va permettre de faire rentrer au moins quelques fonds pour aider le soir encore aller chercher les enfants. Mais voir un enfant, une fille, celle qui est là-bas comme ça, ils ont voulu la violenter une fois comme ça. Elle revenait de l'école. Le monsieur l'a attrapée et commençait à la manipuler.
Une maman m'a invité dans cette ONG pour venir qu'il y ait des gens qui viennent pour faire d'elle. Vraiment, ça a été un coup dur. Parce qu'avec ses enfants, personne n'était. Il n'y a pas d'enfant qui travaille. L'église aussi, au devant, la crise était. Tout le monde a disparu. Les gens se sont dispersés. Et je suis restée seule avec les enfants. Tous ses parents, personne. Jusqu'à un an, personne n'a demandé même comment ça va. Les enfants vont à l'école. Je suis aussi avec les enfants de mon petit frère. Trois enfants qui ont perdu leur maman. Et toute cette charge-là sur ma tête, je vends les œufs avec un peu de. Pour souvenir aux besoins de ces enfants. Comme la Bible dit que ta nourriture viendra de loin. Et j'ai vu que vraiment ce jour m'a donné la joie au cœur quand j'ai vu vraiment les personnes, quand vous êtes arrivés, vous êtes rentrés, ça m'a donné la joie au cœur. Avec même ce présent, c'est déjà vraiment un grand pas. Je ne m'attendais pas à cela à cette fin d'année. Il y a même des enfants même qui ne sont pas scolarisés. Mais j'ai toujours la foi et ça ne va pas baisser ma voix pour me ramener en arrière. Donc je suis vraiment contente, très très contente de votre visite. Vous venez de très loin. Dieu pense à nous malgré qu'on est dans les campements, dans un trou. Et il suscite des personnes de très loin pour nous apporter son soutien. C'est ça qui fait ma joie. Et il est dans sa parole, il n'abandonne pas. Et il vient d'accomplir quoi cette parole à ce jour d'aujourd'hui, où il n'y avait rien à manger. Si j'étais couché à la maison, il n'y avait rien à manger. Maman, papa, aujourd'hui, il a dit Dieu pourvoira. Et aujourd'hui, j'ai quitté ici avec un sac de 5 kilos. Et ce qu'il a commencé, je crois qu'il va le terminer. Parce qu'il a dit dans sa parole qu'il est le père des orphelins et il est le défenseur des veuves. Si tout le monde t'abandonne, il est celui-là seul qui est toujours près de toi. Je suis dans la joie pour votre visite. D'avoir obéi à la parole du Seigneur, d'avoir obéi à la voix du Saint-Esprit qui vous a mis à cœur de venir visiter jusqu'à Kumasi, au campement, on appelle ce quartier-là campement. Et quand on dit un campement, tout le monde connaît, c'est bien petit au milieu, mais Dieu vous envoie jusqu'à dans les campements, dans les villages, dans les trous, pour venir vraiment accomplir sa parole. C'est une grande joie. C'est vraiment, je suis dans la joie. Mon cœur est dans la joie. Et je sais que ce que Dieu a commencé, il va le terminer. Terminé. Ça a été un coup dur. Tout le monde m'a abandonné. Je suis resté seul. Comment faire pour payer la maison, pour payer l'école, habillement? Mais Dieu seul est souverain. Et si vous assistez, je crois que derrière ce tas que vous avez posé, il y a de grandes choses qui sont derrière. Vraiment, je suis dans la joie. Voilà. Merci beaucoup.
voir mes enfants, mes petits frères, faire l'œuvre de Dieu, se souviennent de nous. Si tu n'as personne, moi j'ai perdu ma mère, mon père, à l'âge de 9 ans. Je suis orpheline. Celui qui était tout pour moi, comme un père, une mère, et voici que Dieu l'enlève. Je sais qu'il y est. Quand j'ai réfléchi, je m'assois. Je ne sais pas ce qui s'est passé, où je vais commencer, où il est terminé. Mais Dieu permet des situations pour que tu puisses aussi connaître le fardeau. Vous ne connaissez pas les orphelins, je n'ai jamais fréquenté ce lieu. Mais si Dieu permet aujourd'hui que je suis dans ce milieu-là, c'est pour me faire passer aussi quelque part pour voir comment les gens souffrent. Quand il est décédé, ses parents ont dit que depuis, il a fait quand. Quand il a eu son bac, les parents disaient qu'il devait travailler. Lui, il a dit que Dieu l'a payé. Et depuis 40 ans, il est dans le ministère. Donc, les parents sont enlevés leur main. Et que, comme il a choisi Dieu, les pasteurs n'ont pas enterré. Et devant Dieu, on ne peut pas mentir, les pasteurs se sont occupés du corps de maman. La tombe, le cercueil, les invités, tout, l'ont enterré. Et puis, après l'enterrement, ça fait un an aujourd'hui. C'est tout. Rare fois, d'autres personnes se souviennent. Les chrétiens même là, tout le monde a disparu puisque la tête n'est plus là, le père n'est plus là. Donc tout le monde est parti. Je suis resté avec des jeunes filles comme vous qui ne font rien, près de 5. Et c'est à la maison, on s'est réunis pour prier. Sinon tout le monde est parti. On n'était pas aussi nombreux que ça, mais on était à peine au moins 40-50. Tous ceux-là se sont dispersés. Thank you.
Allez, merci, on va dire merci. Josias. Dégagez pas un peu. On rien. Pardon, excuse-moi. Excuse-moi. Non, non. On dit merci à Dieu. Et puis merci au tonton. Donc, on dit merci. Vous êtes prêts? Ah, ça c'est génial. La capitale économique, on l'appelle Abidjan. Et nous avons au sein de la maison des enfants orphelins et des enfants aussi abandonnés, dont l'âge varie de 7 à 12 ans. 7 mois à 12 ans. Donc, brièvement, la maison. Nous avons des jeunes mamans qui nous aident au niveau des bébés. Et je suis avec ma chérie qui est Aya Brigitte, mon épouse. Avec elle, nous travaillons ensemble, nous encadrons les enfants. Bon, les enfants accueillis, généralement, ce sont des enfants dont la mère décède en couche, tellement que la mère aussi abandonne totalement l'enfant. Et puisque le père ne sait pas où aller avec l'enfant, nous constatons, et nous aussi, au niveau de la maison, nous regardons si les conditions nous permettent, nous accueillons les enfants. Et il y a des enfants dont le père, la mère, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y en a aussi qui sont orphelins de père et de mère. On a accueilli l'enfant, c'est la mère qui était décédée au départ. Mais après, il se trouve que le père aussi décède. Donc nous avons des cas aussi avec nous. Et les enfants, nous les accueillons généralement. Il y a un an que les parents viennent nous voir directement. Et nous, à notre niveau, on se réfère aussi au ministère de la Famille ou bien du Centre Social. Et c'est eux qui nous accompagnent dans tout ce que nous faisons. Au niveau de la coutume, souvent dans nos coutumes, il y a des enfants qui sont nés hors mariage. Et ces enfants qui sont nés hors mariage ne sont pas acceptés en famille. Et les jeunes filles ou les parents qui sont dans de pareils cas, ils nous approchent et ensemble, nous voyons, faisons toutes les démarches administratives à faire et nous accueillons l'enfant. Et d'autres aussi, l'enfant peut. Dans le cas des jumeaux, dans certains villages, comme on le dit dans nos coutumes, les enfants ne doivent pas vivre sur le sol dès la naissance. Donc c'est quelques années plus tard où l'enfant a marché, que l'enfant peut aller dans le village, les parents peuvent aller dans le village avec l'enfant. Sinon, avant ça, l'enfant reste hors du village. Donc c'est un peu tout ce que nous voyons, nous rencontrons au sein de la maison, au sein des personnes. Bon, ça, il faut être vraiment reconnaissant à Dieu et être sincère. Depuis que nous avons commencé à fonctionner, nous n'avons pas de chrétiens ivoiriens
qui viennent nous rendre visite et faire des dons. C'est seulement des particuliers, des personnes qui viennent individuellement, qui sont des chrétiens, qui viennent individuellement. Sinon, cette délégation que nous venons de voir, nous n'avons pas encore. Je peux dire que c'est la première. Et il y a une église, et il y a une église évangélique qui nous a approchés pour prendre contact avec nous, pour nous dire les prochaines fois, avec leur pasteur, les prochaines fois, s'ils ont des manifestations au niveau de leur église avec les enfants, ils vont associer nos enfants aussi à cette fête pour que ces enfants puissent partager la même joie avec eux, leurs enfants. Donc c'est un truc. Ça, c'est un premier projet. Bon, l'église que nous fréquentons aussi, bon, je peux le dire individuellement, mais c'est, je vois, une fois, là, l'église, un noyau de l'église s'est mobilisé pour venir faire des dons et prier aussi pour nous. Ça, c'est ce que nous avons vu depuis que nous fonctionnons. Tout ce que nous recevons comme don, je m'appuie là-dessus que nous vivons par la foi. C'est vrai que la maison existe, mais nous ne faisons pas de demande d'aide parce que ce n'est pas dans nos habitudes. Donc, nous basons plus sur la Bible qui est la parole de Dieu et nous restons toujours en prière. Et là, Dieu suscite des personnes que nous ne connaissons pas, qui nous approchent et qui viennent nous faire des dons. C'est comme ça que nous vivons. Nous ne faisons pas de demande d'aide, que soit les enfants ou ceci, cela, bon, venez nous soutenir. Nous voyons que c'est vrai, on pouvait le faire, mais notre fondatrice nous a toujours enseigné de vivre par la foi. Et c'est sur ce chemin, et c'est comme ça que nous prions toujours, et Dieu fait grâce. Et toutefois qu'elle aussi, elle va en mission, il n'y a pas de souci. Ça se passe très bien, elle nous fait des retours, que le Seigneur vraiment à toucher des cœurs, et c'est comme ça que nous vivons aussi en Côte d'Ivoire. Jésus, Jésus, reçois toute ta gloire.